Après les premières pluies enregistrées dans la ville de Mangana, les ordures s'installent dans les différentes voiries et caniveaux de la ville. Au vu et au su des autorités communales et préfectorales, une situation que déplorent les citoyens quant à l'état actuel de l'insalubrité dans la ville de Madikandji Diallo et de son frère Paté Diallo. Selon nos informations, l'état actuel de l'insalubrité de la ville est la conséquence directe du manque de moyens pour la commune de transporter les ordures volontairement curées dans les caniveaux par les populations depuis la saison pluvieuse de 2021. C'est pourquoi plusieurs citoyens refusent de curer les caniveaux en face de leur boutique ou maison. Sidiki Kondé, chef de quartier Kisidukura. Chaque année, nous curons les caniveaux ici, mais les déchets ne sont jamais transportés. Souvent, nous sommes obligés de payer 250 000 pour le transport des déchets. Cette année, moi personnellement, j'ai pas beaucoup de moyens. Parce que moi, je me débrouille seulement dans la tapisserie. Et actuellement, ça ne marche pas beaucoup. Les gens sont partis à Gawal et dans d'autres sites minières. À Mangana, il n'y a pas beaucoup de marché. Donc, si nous avons la garantie de la commune, nous allons encore déboucher les carnivaux et ils vont transporter. Quelques mécaniciens qui ont débouché les carnivaux s'inquiètent comment se débarrasser des déchets. Moi, c'est Oumar Rajakite. On a manifesté ici jusqu'à fermer les portes de la commune et faire partir l'ancienne équipe pour imposer le maire Ibrahima Sy Rajakite. On l'a pris en bourse pour l'imposer à la commune. Si tu vois aujourd'hui, les gens mettent les ordures ici parce que le maire n'a pas de contrôle. Sinon, s'il avait des contrôles, les gens n'allaient pas mettre les ordures ici. Et il est là pour travailler. S'il ne travaille pas, les gens ne peuvent pas l'aimer. Ceux qui mettent ces photos sur les réseaux sociaux-là, ça, c'est pas des gens qui l'aiment. C'est des profiteurs. Sinon, les gens qui l'aiment lui disent de travailler. Mais nous allons lui dire, s'il ne travaille pas, il n'a qu'à comprendre qu'il y a un jugement dernier qui l'attend. Pour le premier responsable de l'assainissement de la commune urbaine de Mangana, M. Moro Diakité met en confiance la population et les invite de plus à accompagner la commune dans l'assainissement. On a pris des initiatives avec les ONG locales cette fois-ci. Tous les ordures qui seront débouchées dans les carniveaux seront automatiquement transportées hors de la ville. Ils invitent la population d'accompagner la commune dans le curage des carniveaux et le transport des déchets hors de la ville. Donc, ni même quand tu as robo, il va ou bien il va commune là, il va en sortir à fond. Bon, maintenant quand nous voulons robo, on dit quand le communal délégué, mais il a dit quand il a mis quand il veut le quoi. De Mangana, Mamadi Konoma Keita pour Jine Matin.com.